Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedraffin.com pour une recette aujourd'hui de Bowl Tip. Comme je vous le dis régulièrement, j'adore découvrir tous les types de barbecue qu'il existe, toutes les sortes de cuisines d'extérieur, feu ouvert, foyer fermé, etc. Aujourd'hui, on va faire un bowl tip de bœuf américain. Vous allez voir, c'est du bas de surlonge en fait. C'est un morceau qui est tout proche de la hanche comme ça. Et du coup, avec l'activité de la vache, ça va faire un morceau qui est pas très gras, mais vraiment très 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 tendre. Généralement, les gens aiment soit qu'il y ait beaucoup de goût, donc avec souvent du gras, soit vraiment ils vont chercher une tendreté assez exceptionnelle. Et avec ce morceau-là, qui est plutôt bon marché, on va pouvoir le trouver. C'est vraiment au bout du bout du bout du faux filet, pas très loin du tri-tip, comme je vous en avais parlé dans cette vidéo. On va dire que c'est un espèce de rôti, et tout simplement, ce sont des viandes que j'adore faire. Quand je reçois beaucoup de personnes, je vais faire un gros morceau, et on coupe en tranches comme ça. Et pour les vraies personnes qui adore le goût du bœuf, c'est vraiment quelque chose de super. Pour ça, aujourd'hui, on va le faire dans un Dutch oven, une cocotte en fonte comme ça. Oh, beaucoup de mots, bowl tip, Dutch oven, etc. Je vous explique tout dans cette vidéo. Et voilà à quoi ressemble du bas de surlonge. Voilà, c'est ce morceau-là, bowl tip. Alors, quand je vous dis une viande assez maigre, vous voyez qu'il a quand même pas mal de gras ici, mais par rapport aux autres viandes de bœuf américain que j'ai pu vous montrer, elle est quand même assez maigre. On peut venir la travailler en enlevant cette partie-là ici. Moi, je vais le faire entier et puis on va couper des tranches. Ça va être très bien pour le faire comme ça à la maison façon rôti. Alors, très souvent dans les commentaires, vous dites « Ah, Rafa, c'est du bœuf américain, c'est rempli d'hormones. » Non, non, les hormones, quand vous regardez un bodybuilder, par exemple, c'est vraiment pour faire du muscle, hein, c'est pas pour faire du gras. Donc, quand il y a du gras comme ça, vous savez que c'est pas une viande avec des hormones. Donc, de ce point de vue-là, on peut être tranquille. Alors, aujourd'hui, ça va être très simple. On va juste mettre un petit peu en binder d'huile, voilà, on n'est même pas obligé parce que franchement c'est déjà très bien comme ça. Et je vais prendre un mélange d'épices ici de chez Steven Reichlin. Donc là il a sélectionné les meilleurs poivres au monde et c'est vraiment très 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 bon. Donc voilà, il suffit de saupoudrer assez généreusement comme ça ce morceau de bowl tip. Voilà, donc là ça sent bien les herbes. Il y a du sel, il y a plusieurs épices différentes. C'est vraiment, vraiment un très très bon rub pour les viandes à griller ou à rôtir comme ça. Oh, il en manque un tout petit peu ici. Voilà. Ah, vous allez me dire, mais Rafa, il est bizarre ton barbecue aujourd'hui. Non, non, en fait, on va utiliser aujourd'hui un Dutch oven comme ça. Alors, c'est une cocotte, mais c'est pas vraiment une cocotte. Une cocotte, ça a le dessus qui est plat. Ici, le Dutch oven, on va pouvoir mettre de la chaleur en dessous, au-dessus, et ça va faire comme dans un four à chaleur tournante. Donc finalement, on va faire un rôti directement à l'intérieur. Mais on va déjà le marquer. Alors ce qui est bien avec cette cocotte-là, c'est que, vous voyez, ici, là, vous avez un passage pour la sonde. Donc comme ça, on pourra connaître bien la température interne. Oh, vous voyez, j'ai fait un beau seasoning, un beau culottage, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo. Alors, du coup, on va mettre un petit peu de chaleur là. Et en retournant, en mettant ici le couvercle, en fait, on va pouvoir déjà snacker un petit peu la viande. Donc là, ce que je vais faire, je vais même enlever ça. Je vais mettre la cheminée d'allumage directement comme ça. Et je mets le chapeau sur le dessus. Voilà, ça y est, c'est bien chaud. Je mets un petit filet d'huile comme ça. Donc quand c'est bien chaud comme ça, je viens snacker 30 secondes par côté environ. Ensuite, je le tourne. Une fois qu'on l'a bien snacké des deux côtés, on va pouvoir l'enlever. Voilà, ça sent vraiment, vraiment super bon. Alors, on va changer toute la configuration. On va mettre ça de côté. On va remettre le petit trépied ici. Et alors, du coup, ce que l'on va faire, c'est que l'on va mettre généralement deux fois plus de briques sur le dessus que sur le dessous. Donc ici, je vais en mettre 4-5. Ouais. Un petit peu, voilà, comme ça. Allez, très bien, on verra mieux après. Je dépose la cocotte, je remets ici et on va la laisser monter en température tranquillement en mettant du charbon également sur le dessus. Voilà, on les dispatche bien. Donc comme c'est comme un four, hein, l'utilisation de cette cocotte, il faut la laisser préchauffer. Donc je prends ensuite le lève-couvercle, comme ça, ouais, vous voyez là comment c'est bien chaud. Hop, je viens mettre des petites pommes de terre, donc là, je sais pas, j'ai dû en couper 4-5. Des petites carottes également, et enfin 2-3 oignons. Je rajoute un petit fond d'eau comme ça, puis le bowl tip que l'on a bien marqué juste avant.
Ensuite, je vais venir mettre la sonde dans la partie la plus charnue de la viande, donc à peu près ici. Et je fais passer le fil, regardez, pile poil dans l'encoche, juste là, là. Et là, sur le couvercle, il y a une petite marque pour dire, voilà, juste ici, que c'est là l'encoche. Donc, je mets juste au-dessus du fil et on laisse cuire comme ça, jusqu'à donc à une température interne de 45-50 degrés environ. Alors là, on est à 28 degrés. Donc, quand on est à peu près à la moitié comme ça de la cuisson, on va regarder. Donc, on prend le lève-couvercle. Voilà. Oh, vous voyez, ça fume bien. On va voir à quoi ça ressemble au niveau des pommes de terre. Bon, c'est pas encore cuit, mais c'est pas mal. Hein. Je pense que ça va être bien à la fin de la cuisson. Il reste encore de l'eau. Bon, bah, tout est parfait. Je fais bien attention à faire... Hop, le fil a bougé un petit peu. Je vais bien le remettre. Voilà, ici. Je mets bien la flèche au bon endroit. Et voilà, on est parfait. Ce que l'on peut faire dans ces cas-là également, généralement, c'est par rapport à la chaleur d'en bas, c'est pas uniforme. Donc, on va prendre avec le lève-couvercle la poignée et on va le tourner d'un quart de tour. Donc là, par exemple, si je tourne d'un quart de tour à droite, à gauche, je veux dire, ici, je vais prendre le couvercle et je vais tourner d'un quart de tour de l'autre côté, comme ça. Tac. Alors là, vous me direz que le fil n'est plus bon. Mais voilà, comme ça, parfait. Et donc comme ça, en changeant donc un quart de tour à gauche la cocotte et un quart de tour à droite le couvercle, la chaleur sera vraiment très uniforme partout. Là, la chaleur à l'intérieur, on doit être à environ à 180 degrés. On est parfait, on laisse cuire comme ça, 28 degrés, on attend que ça arrive à 45 degrés à peu près. Pendant que ça est cuit tranquillement, on va faire un petit cours sur les cocottes en fonte comme ça. Donc vous avez vu, là je veux faire comme dans un four, donc je mets un tiers en bas et deux tiers en haut. Donc en fonction de la taille de votre cocotte ici, il va y avoir un nombre bien défini. Donc généralement je vais mettre 5-6 en bas et une quinzaine en haut. Celle-ci elle est un petit peu plus grande, c'est la FT9, donc voilà, j'en ai mis un petit peu plus comme ça. Après, si vous voulez faire gratiner des choses, un gratin de chou-fleur par exemple, je dis n'importe quoi, on va mettre que en haut. Et si on veut vraiment faire monter en température, bah, comme on a fait au début pour venir marquer une viande, pour faire chauffer de l'huile ou quoi, et ben on va tout mettre en dessous. Et donc en fait, voilà, la gestion du feu est vraiment importante. C'est d'autant plus facile avec des briquettes, on peut venir mettre tout ce que l'on souhaite, des bûches, voilà, avec les briquettes c'est plus simple parce qu'on sait le nombre qu'il faut exactement en haut et en bas, mais vraiment on fait comme on le souhaite. Et donc comme il y a une gestion du feu, on est vraiment dans le monde du barbecue. Une fois qu'on arrive à la bonne température interne souhaitée, regardez, vous voyez comment ça fume bien, c'est parfait. Je vais enlever ici la sonde et on va déguster tout ça. On commence par enlever le morceau de viande ici. Oh, les épices, elles ont un goût vraiment magnifique. On voit les carottes ici qui sont très bien cuites. Hein. On prend, hop, elles tombent, parfait. On va prendre n'importe quelle pomme de terre, celle-ci. Pareil, c'est bien cuit, super. Un petit bout d'oignon, oh, ça j'adore, les oignons comme ça. On va se monter une petite assiette et ici on va couper la viande. Comme d'habitude, on fait attention au sens des fibres. On les voit bien dans ce sens-là. Donc on va couper ici au plein milieu. Et on va couper des tranches. Alors vous voyez l'intérêt, hein, c'est pas d'avoir un goût fumé comme au barbecue, mais de se dire que voilà, on est en cuisson à l'extérieur. On peut avoir quand même une cuisson vraiment parfaitement réussie avec l'utilisation d'un Dutch oven. Comme ça. Allez, on coupe. Oh, c'est vraiment hyper tendre, ça se coupe, mais tout seul. Hein. Comme à chaque fin de vidéo, on va pouvoir goûter ça. Alors là, on est vraiment sur l'assiette typique de dimanche avec un roast beef comme ça. C'est des pièces que j'adore faire quand il y a beaucoup de personnes. Regardez-moi ça. Donc là, je l'ai fait saignant plus comme j'aime bien. Voilà. Et surtout, elle est hyper, hyper tendre. Hein. Vous voyez, il suffit de vraiment pas grand-chose. Et puis, on peut venir prendre des bouts comme ça. Elle s'arrache super facilement. Elle est vraiment très, très, très tendre comme viande. Regardez, hop, ça sort vraiment tout seul. C'est incroyable. Bah, du coup, je vais goûter. Alors vous savez, très souvent quand je fais des viandes un peu d'exception comme ça auprès de mes amis, il y en a qui disent, ah ils sont bonnes tes viandes, mais parfois c'est un peu trop écœurant quand il y a trop de gras intramusculaire. Alors pour les personnes qui n'aiment pas trop ce côté un peu gras, un peu trop écœurant, ici on a un très bon mix parce que la viande est vraiment bien balancée entre une bonne tendreté et du gras intramusculaire un peu mais pas trop.
Donc voilà, si les gens veulent vraiment quelque chose de tendre, qui change du roast beef de base, parce que ça a quand même énormément de goût grâce au gras intramusculaire, et ben c'est un bon choix de prendre un bowl type comme ça, donc de bœuf américain, que j'ai trouvé sur mabonneviande.com. Donc merci Jean-Pierre, merci Cathy de pouvoir me faire tester ce genre de viande. Et pour toujours plus de recettes qui changent, des saucisses et des brochettes au barbecue, ou sur toute autre sorte de barbecue, comme aujourd'hui on a fait avec des cocottes, des Dutch oven, hein, vous avez vu comment on fait pour gratiner, pour venir faire frire ou saisir, comment on fait pour faire un four à chaleur tournante. Voilà, vous avez eu plein d'astuces aujourd'hui. Eh bien, viens liker ma page Facebook, Le Barbecue de Rafa, abonne-toi à mon compte Instagram et abonne-toi également à ma chaîne YouTube. Allez, à bientôt!